Finas, comment elle va? Et petit Pierre? Petit Pierre est mort il y a longtemps. Et Mathieu, mon mari, est mort lui aussi. Au siège de Limoges. Albert Le Bigle, qui était dans sa compagnie, est passé par ici, me l'a dit. Non, 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 on m'a laissé pour mort. Tu lui ressembles peut-être un peu, alors tu t'es dit, elle ne se souviendra plus très bien. Elle m'acceptera, elle me nourrira. Mais Catherine, regarde-moi, je suis Mathieu. Je suis ton mari, je t'ai marié le jour de la Saint-Grégoire. Je te l'ai même fait deux fois de suite la nuit de noces. Ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas, non? Mathieu te l'aura dit, il aimait se vanter. Tu ferais bien de repartir d'où tu viens. Retourne d'où tu viens! Y'a donc personne d'honnête ici? Même toi, Catherine? Et toi, ma petite Finas? Regarde ton papa. Es-tu certaine? Finas, je te demande de bien regarder cet homme. Non, c'est pas lui. C'est pas mon père. C'est pas facile de renier son père. Elle a dit la vérité, c'est tout. Tu n'as pas reconnu Mathieu tout de suite. Mais c'est normal, après une si longue absence. Si tu penses t'être trompé et que tu reconnais ton erreur, il ne te sera pas tenu rigueur. Cet homme n'est pas Mathieu. Je vous le jure. Ne jure pas, pauvre fille. Pourquoi vous ne me croyez pas? Parce que la vérité, c'est que tu rejettes un infirme pour rester avec ton coq de village. Ce que Dieu a uni, Catherine, l'homme ne peut le défaire. Il te doit à ton mari. Mon mari, c'est Pierre. Ton mari sera celui des deux que la sagesse de notre jugement désignera. Si ensuite tu te soustrais à cette décision, tu seras déclaré adultère. Sache-le. Je sais que tu m'as reconnu. Si je revenais avec toi, qu'est-ce qu'on deviendrait? Tu peux pas travailler. Dieu y pourvoira. Puisqu'il m'a sauvé, c'est qu'il avait une raison, non? J'ai trois enfants de Pierre. Si ce mariage est annulé, ils seront plus rien que des bâtards. Tu voudras pas d'eux? Les enfants de ce chien? Jamais, oui. Tu vois. Je te veux toi et Finas. Fallait pas partir. Fallait pas partir. C'est pour vous que je l'ai fait, c'était pour devenir riche. Et petit Pierre est mort et t'es revenu mendiant. T'as toujours été un rêveur, Mathieu. Pour les gens comme nous, y'a rien de pire. Je suis désolée. Je changerai pas un mot de ce que j'ai dit. Et Finas non plus. Cherche pas à lui parler. T'as déjà fait assez de mal comme ça. Et va-t'en. Tu dois être soulagé. Toi aussi. Je te pardonne, Pierre Sicard.